Ils l'ont pas dit. Marguerite, cours, on est trouvé une autre. Bizarre. Oh. Oh, elle est si jeune. Ouais, comment va l'autre fille? Elle dort, la pauvre enfant. On n'a qu'à les garder ici quelques jours, au moins jusqu'à ce qu'on puisse les ramener en ville. Zoé, va chercher des vêtements propres dans la buanderie, tu veux? Oh, elle est recouverte d'une sorte d'huile ou je ne sais pas quoi. Bon, On va lui donner des vêtements propres et un lit chaud. On la mettra dans la chambre de Lucas. Oh merde, on peut pas la mettre ailleurs? Oh Lucas, commence pas, t'as plus besoin de cette chambre. J'ai toujours voulu avoir une auberge. Son rêve se réalise, on dirait. Mets-la au lit. Je vais préparer de la soupe. Soir idéal pour une soupe, pas vrai? Pardon. Lucas? Il y a des vêtements propres dans la buanderie. Ma puce, tu peux la laver et lui donner des vêtements secs. Je vais au hangar à bateau, voir s'il est toujours à moitié inondé. Oui, papa. Yes. Ok, petite, je vais te nettoyer ça. Ils sont à moi. Quoi? Papa? Il y a une panne de courant? Est-ce que la foudre est tombée? C'était quoi ça? Lucas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? On la respire. Là, pourtant, je ne l'avais jamais remarqué. On est tellement venu. Quoi ce bordel? Je sais. C'est toi, maman? Zoé, viens voir. Viens voir son don. Regarde tous les trésors que ma petite fille m'a donnés. Maman! Mon Dieu! Non! Non! Embrasse-moi, chérie! Marguerite, qu'est-ce qu'il prend? Cours au garage! On trouve une corde! Dépêche-toi!
famille. Mais tu vas me lâcher, oui. Ne pousse pas à faire quelque chose que je vais regretter. Maman. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive, papa. Pour se rapprocher de Dieu. Et ta mère est à deux doigts de la rencontrer là. Elle veut que je fasse ça. Je dois lui montrer que je suis dévoué. Elle veut qu'on lui montre tout notre amour. Tu veux pas la décevoir, pas vrai? On peut pas faire ça. De qui est-ce que tu parles? Ta nouvelle sœur est vive. Quand je demande une corde, je veux qu'on m'apporte une corde. Papa! Qu'est-ce qui t'arrive? Tant que t'es sous mon toit, tu feras ce que je te dis. T'entends? N'approche pas! Faut que je me tire d'ici. Zoé! Ouvre cette porte. N'approche pas! Je me tire d'ici. Zoé! J'ai dû m'endormir. Tiens, tiens, regardez qui est enfin de retour. Réveille-toi et sens-moi ce jus de chaussette, Zoé. Lika. Ça va, ma chérie? La nuit a été mouvementée hier avec cette tempête. Ça va? J'ai fait un rêve complètement dingue. Il y avait une petite fille... Bien, après le petit déjeuner,
Lucas et moi, on va voir si la tempête a causé des dégâts. Vous deux, vous feriez bien de faire le tour de la ville. C'est une bonne idée, Jack. Vous vous souvenez du dernier ouragan? Oh, on pensait avoir eu de la chance. Sauf qu'à la pluie suivante, bonjour les dégâts.